Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry. Nous sommes en live sur Twitch, comme d'habitude, comme tous les mercredis. N'hésitez pas à nous rejoindre. Aujourd'hui, j'ai commencé un petit peu à la bourre. Parce que voilà, parce que la bourre quoi, la bourre c'est bien la bourre. Vous connaissez, non? Du coup, on va s'y mettre tout de suite et on a encore des... Alors, je me souviens plus qu'on était le matin. Quand on en est, j'ai envie de dire... Ah! Putain, il y a des lapins partout. J'avais oublié que monsieur, je l'avais épuisé jusqu'au bout de la nuit pour qu'il écrive un livre. Mais des livres, des best-sellers, parce que c'est ce qui nous manque. C'est ce qui nous manque pour finir son aspiration. Il nous manque 2 best-sellers à écrire. Et également arriver au niveau 10 du bien-être. Et on aura fini la génération rose. Oui, mon biquet. Attends, on va faire pause. Oui, oh oui. Oh oui. Voilà, hein, comme ça, vous ne serez pas venu pour rien. Vous pouvez admirer la bestiole. Hein. Bien sûr, je parle de cette bestiole-là. Hein. Pas celle en rose, hein, celle-ci. Hein. Mais non, on rigole. On rigole, on rigole, mais on voit pas le fond de Nicole. Alors, est-ce qu'il travaille? Non, il travaille pas. C'est merveilleux, on va le laisser dormir tranquille du coup. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? T'attrapes. Tu éduques... c'est laquelle celle-ci? C'est Melba. J'ai oublié. J'oublie tout moi. Je sais plus. Chamallow commence bien l'épisode. Mais il me semble qu'effectivement on l'avait fini comme ça. Bien sûr, Twitch est un ordre. Oh là là. Si ça va te croire. J'ai vu que les Sims Manual avaient une version collector. Ah bon? Bah alors, Quentin, il faut me l'offrir maintenant. Je rigole. Je rigole. Ouh, les petits lapins. Allez. Bah du coup, toi aussi, tu vas en cours. Et toi aussi, tu vas en cours. C'est nickel. Nos gamins. On dirait... des clones de l'armée... Je sais pas. De quelle armée? On dirait des petits soldats, quoi. Ah, vous avez entendu les petits oiseaux qui chantent? C'est trop chou. Hé, hey, mine-toi le cul, quoi. Mine-toi le cul. Pas mine-quoi le cul. Qu'est-ce qu'elle fait? Toi aussi, tu veux dormir? C'est quoi ces gens? J'ai fait quoi avec eux la semaine dernière? Je me souviens plus. Si! Chamallow, je m'en souviens un petit peu quand même. Eh oh, eh oh, vous calmez là, regardez-moi toute cette thune. Purée. Il y a quand même pas mal de bouquins qui rapportent pas mal de thunas quand même. Hein. Celui qui rapporte le plus, c'est le Blues des Roses. C'est marrant, c'est un des premiers, je crois. Eh ben écoutez, il rapporte sa masse hein, de thunas. Hein. Sa masse de thunas. Tu vas l'épicer. Tu passeras l'aspi après. Non, pas légèrement. À fond les ballons, ouais. Attendez. Wouh! Tu vas passer la spie. Ouais, t'as raison. J'allais dire, ne finit même pas de pisser. Et si elle passe la spie dans la chambre, est-ce qu'il va se réveiller? C'est pas du tout réaliste, ça, les Sims. Moi, il y a quelqu'un qui passe la spie dans ma chambre, je le casse en deux, hein. Et je lui fais bouffer la spie par tous les trous qu'il a. Quand même. Salut Marine, comment vas-tu? Il y avait un film avec des enfants qui étaient envoûtés et pas sympa du tout. Ah, pardon, oui. Salut Camille, comment vas-tu? Non, le Blues des Roses, c'est un livre de la semaine dernière, il me semble. Ah bah, ah non, c'était Rose en prose ou je sais pas quoi qu'on avait fait au début. Ah, j'ai dit... Mais j'ai dit des bêtises, excusa-me. Tu t'as faim. Ah oui, bah tu vas prendre des restes. Prendre des restes. Voilà. Comme ça, tu vas pas cuisiner, il y a déjà assez à bouffer là-dedans. Après, tu passes l'aspi. Hein. De toute façon, t'es obsédée avec ton aspi, donc tu vas être contente. Merci Roger! Les médecins de l'hôpital du mémorial de la rate sacrée tiennent à exprimer leur reconnaissance envers Roger. Cette année restera gravée dans l'histoire comme l'année où Roger a mis au point un médicament capable de faire repousser des membres. Oh. Ce sera pratique pour Theon Greyjoy, n'est-ce pas? Vous-même, vous savez, vous sachez. Mais passe la spie, wesh! Il y a des lapins, là. Mais il y a encore des lapins, là-haut! Je suis merdier. Oh, pas du tout, ça. C'est quoi cette mauvaise femme de ménage, là?
Et la meuf qui passe aspirateur en petite tenue. En porte-jartelle. Coucou Marie, comment vas-tu ma belle? Merci beaucoup pour ton raid et bienvenue aux Belges. Aux petites, une fois, une Sims. Je sais pas. Les Sims du coup. Bonjour les Sims, comment allez-vous? On a commencé le Notsuberi. Enfin, on a commencé. Le live du Notsuberi est commencé quoi. Donc on voit Germaine qui est en train de passer l'aspirateur parce que c'est... Parce que c'est trop cool. Qu'est-ce qu'elle va faire? Tu veux jouer avec les deux? Ah oui, ils vont pas bien. Oh, oui. Coucou la banderole. Coucou le chat, coucou la rediff. Coucou la banderole. Ça va, petite banderole? Tu es pas belge? Oui, mais moi, j'y peux rien. T'as qu'à dire ça à Marie. Hein. T'as qu'à changer de pseudo. Et comment vas-tu? J'ai créé mon fondateur, notre Sauvery. Il est beau. Ah bon? Je sais, j'étais là en soum-soum. Mais à moitié en train de comater. Mais ouais, je suis passée de voir, j'ai vu que t'avais coupé tes cheveux et que t'étais toute mignonne. Comme d'habitude. Tu vas te faire bouffer le nez? Vas-y, fais-toi bouffer le nez. Ah non, même pas. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah oui, tu vas me faire à bouffer. Sachant que lui, dès qu'il est... Oh, vas-y, lève-toi maintenant. C'est bon, là. Jamais. Il est trop cool et Jamie perd chier les gens parce qu'il est trop long. Pseudo vraiment pourri, hein, que t'as. Je veux pas le dire, mais... T'as vu comment je suis trop belle. Comment elle se la pète, cette meuf? Oh là 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 là. Mais après, c'est moi qui ai des grosses chevilles, tu sais. Salut, Rikikiz, comment vas-tu? Coucou, Liloune. Alors, désolé si j'ai raté quelques petits coucous. Il y a Shai Jumi, mais je pense... Je sais pas si tu parles français ou pas. Oui, non, tu parles pas français. And I don't speak Korean or Japan, so sorry. Je suis trop fraîche, j'y peux rien. Je suis trop fraîche. Pourquoi t'as bouffé un mentos? Allez là, aspire-moi ces saloperies de moutons. Ah, de moutons. C'est vrai que c'est des lapins ici. Lapin. Ouais. Lapin. Bon allez. Toi, après, tu best-seller, là. Écrire un livre de genre. Poésie. N'hésitez pas à partager vos noms, vos titres de livres pour ce futur livre incroyable. Ce best-seller, que dis-je, que Chamallow va nous écrire pour, bien sûr, nous aider à finir cette génération. Et son aspiration. Bah, je vais bien. Bonne app, Justine. Coucou à toi. Je sais même plus si je t'ai dit bonjour. Je perds la tête. Ah, tu parles français? Eh bah écoute, bienvenue. J'ai fini la génération hier, moi. Eh bah écoute, moi ce sera sûrement aujourd'hui. Allez là, enlève-nous cette mosaïque, les Sims, là, on veut voir son zbibou, là. Oh, Charlotte? Elle a des grosses tototes, ma tante Charlotte. Faites-moi... Toi, faut vraiment que tu maigrisses, hein, mon petit. Il reste encore de la glace régime? Il n'y a plus de glace régime? Non. I don't... Oh my god, this is not correct. Préparez de la glace. Fais de la glace régime. Ouais, fais de la glace régime pour ton fils. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle doit faire? Ben, elle va aller là, et puis elle va faire ses devoirs. Hein? Non mais oh. Toi, t'es fatiguée, bah va faire la sieste. Comme titre, l'attaque du lapin de poussière, visage pensant, visage avec des larmes de joie. Pas mal. Ah, encore une Sims qui se sent pas bien pour changer, oh là là. De toute façon, t'as les yeux marrons, toi, tu sers à rien en fait dans la vie, c'est ça? Je déteste là, avec leurs lunettes de merde, là on voit pas. Ouais, c'est marrant. Bon, tu peux te barrer, hein, fais pas de toi. À toi, ya! Comment on peut pas lui dire qu'elle se casse? Pourquoi tu veux... Toi, je t'avais... Ouais, vas-y, tu souffles. Je sais plus ce que je vais demander. Et merci, Shai Jumi, pour ton follow et bienvenue à toi. Confession, je déteste les marshmallows. Pour le titre.
Non, t'as juste dit à Marie de changer de pseudo. Bah, c'est vrai ? Non, mais dis donc. C'est quoi ce pseudo, là, non plus ? Merci, je te follow de suite, t'as l'air trop sympa. Eh ben, écoute, j'en ai seulement l'air. Parce qu'en vrai, je ne le suis pas. Marie, t'es trop mignonne. Pourquoi ils sont pas les mêmes tenues scolaires ? Je comprends pas. Ce sera pas moi de t'expliquer, j'en ai aucune idée. Tac ! Attaque du lapin de poussière, c'est parti. Les lapincières, tout à fait. Bon, j'espère que t'es motivé du gland, mon petit, hein, parce qu'on a une aspiration à finir, hein, bon petit chat. Salut, Cassiopère. Cassiopère, comment vas-tu ? Dommage que les lapins de poussière sont pas roses. Bah, c'est des lapins de poussière, donc... Sauf si t'as de la poussière rose chez toi. Ouais, moi, en général, ouais, c'est plutôt gris, ouais, j'avoue. C'est pas très très fun, mais c'est plus la génération de nuages. D'ailleurs, on aurait pu l'appeler poussière. Nuage à la place. Ça aurait pu être poussière, son nom. Mais il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait suggéré poussière. Non, c'était cendre. Cendre et cendrine, je crois. Et en couverture, on a qu'à mettre le magnifique dessin de mon Sims que je vous ai partagé sur Discord. En couverture 2. Qu'est-ce que c'est ? Toi, tu... Hein ? T'as déjà fini tes devoirs, toi ? Ouais, c'est ça ! C'est exactement ce que je m'attendais à ça. Je m'y attendais. I fucking knew it. Après, tu feras le... Mais si on a une... Saloperie. Ces gosses. Je pourrais les désinguer. J'ai tous les emmurés dans des murs. Pas de petits chats dans cette famille. Non, je prends jamais d'animaux, ils prennent de la place. Alors que ce petit bouchon là, bon, il prend de la place, mais ça va. Hein ? Sauf quand il réclame pour jouer, comme hier soir. Ça va être l'heure du régime, mon petit. Ah non, mince, j'ai pas sélectionné le bon. Faut que je fasse de la merde avec mon héritier. Ah oui, elle l'a sur elle, c'est ça ? On va tirer à pisser, Germaine. Allez, petite glace régime pour Toya. Prends un cornet, mon biquet. Un cornet pour Toya. On va voir si... Parce que... Ah oui, tu parles de couleur, hein, parce qu'eux, ils sont plutôt beige, je sais pas quoi, et elle, bleue. Bah, peut-être parce qu'elle est... C'est l'aînée. Non, c'est même pas l'aînée. Oh bon, j'en sais rien, écoute, me pose pas de questions. Faudra demander à... aux Sims, s'ils ont une réponse. Ouais, il est bizarre quand même leur cornet. Hein. Le truc il est plus gros que leur tête. Le cornet est plus gros que la tête des gosses quand même. C'est formidable. Toi après, tu pourras manger un truc, faire tes devoirs. Toi je te laisse bouffer ça, après tu feras tes devoirs. Travaille, toi. Allez. Pense à... Génération... je sais plus. Tout vendre. Oui, on s'en fout. Allez. Génération, objectif, aspiration. Il a terminé d'écrire un livre. Non, il est excellent. Donc, c'est pas encore ça. Ouais, ouais. Tristesse. Ok. Ah bah tu vas t'y remettre, hein, Jean-Claude, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Écrire un livre de genre. Il n'y avait pas quelqu'un qui m'avait dit dans le chat que c'était seulement un ce type de livre qui pouvait être best-seller ou pas ? Je sais plus. Qu'arrivons dans des écoles différentes ? Bah non, non, non. Peut-être pas la même école ? Bah... J'en sais rien. De toute façon, on contrôle pas ça, donc... je sais pas. Tous peuvent l'être. Bon. On va faire la science-fiction, alors. À vos titres, encore une fois, n'hésitez pas.
Mais les styles là, c'est plus simple comme pour les peintures. Ah, donc du coup, je dois écrire un livre de genre. Alors, c'était quoi? C'est enfant, poésie, nouvelle. Allez, des nouvelles alors. On va faire des nouvelles. Oui, non, non, mais y'a pas de soucis. Qu'est-ce qu'il a? Bah, active là, mets le turbo, hein. Mais what? Mais il est bourré. Grand conte ou grand con pour petits adultes. Extraterrestre, mon amour, le bâton lumineux rose de Chamcham. Oh. Rosette la chaussette, allez. Non, Rosette la chaussette, c'est rigolo. Allez, tac. Bon, après, soyez pas vexés hein, si je vous prends votre titre ou pas, hein, c'est au pif, hein, c'est vraiment. Enfin, au pif, c'est, faut que ce, j'aime bien, faut que ce soit marrant un petit peu quand même. Sinon. Au de la machine. Ah, U de. C'est quoi, au de la machine? Moi, n'a pas. Lapin compris. Tu sais quoi, tu vas me reprendre un cornet, mon biquet. Eh, hey, il a déjà perdu son ventre, non? Non. Attends. Oui, moi je suis une ouf, moi j'aime bien avoir des enfants fit. Hein? Il faut qu'ils aient le bibi là. Faut qu'ils aient le bibi à la Thibaut in shape, les enfants. Va faire le ménage, toi, wesh. Ah, regarde, les ils sont sales. Tu mettras de la bouffe aussi à Roger. J'allais l'appeler saucisse, mais non, c'est merguez. Je ne sais plus qui est quoi. Eh hey, meuf, t'as vu dans quel état t'es, gamine? Bow. T'as fait tes devoirs, Jacqueline? Ouais, elle a fait ses devoirs. Et toi? Toi, t'as emmerdé, toi. Allez. Voilà. Et après, tout le monde au lit! Plus vite que ça! Elle fait le ménage. Salut Ninodienne, comment vas-tu? Chamcham a fait comme des fois que je vous vois sur Phasmo. Non, c'est il se téléporte. On se téléporte pas nous dans Phasmo. On se déplace, tabarnak. On chasse des fantômes de Corlys de Cibouère. Salut Guillaume, comment vas-tu? Mais t'es déjà mince, meuf. Qu'est-ce que tu veux bouffer de la glace au régime? Ah, j'ai 3 grammes à perdre en cet été pour mon biki-biki-biki-nini. On les connaît, ces meufs-là. On les connaît. On les connaît. Bon, écoute, ça va, Guillaume? Qu'est-ce que... Ah non, c'est déjà revenu. Putain, mais la poussière. Mais t'as déjà un lapin, mais sérieux. Eh, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Sims? Pourquoi ils ont développé ça alors qu'il y a... Ça va, c'est aussi sale que ça chez eux, que qu'il faut nettoyer 2 fois dans la journée? Putain, il va être super tôt, quoi. Il fait encore jour, les gamins, ils vont aller au lit. Pourquoi t'es tendu? Non! Tu vas pas me faire un best-seller! Attends. Va t'admirer, mon beau. Va admirer ton beau reflet. Tu refinis ton bouquin après. Parce que là, t'es pas bien, là. Et j'ai pas envie de perdre du temps. Je t'ai dit de... Allez! Soul, hein. Ah oui, tu vois, d'accord. Bonne app, Anne! Repose-toi bien. Pff, non, je dis de la merde. Écrire, reprendre. Rosette la chaussette. Je viens de partager quelques screenshots de mon sang bébé. Ok. Et t'en es à combien? Mais oui, t'es beau gosse. Allez, ramène ton chlu là. Fais-moi best-seller ou je t'enferme. Ouais, on a encore le temps avant de les voir ados, là, les gosses. Dahlia, dans 2 jours. Il a terminé son livre. Nous allons tout de suite voir ça.
tabarnak, de colis. Il est excellent. Allez, on va faire un livre de motivation. À vos titres et périls. Vu le prix des packs, ils sont blindés. Ils ont des majordomes. C'est ce que je dirais si j'étais une de ces personnes chiantes qui râlent pour rien sous chaque poste des Sims. Ah oui, d'accord. C'est ça. Oui, c'est Mère Sims, non? Ah, j'adore Martial! Allez! J'aime beaucoup trop. C'est ça pourrait être mon leitmotiv, tiens ça. Hein, moi je vous le dis. Undo stress, c'est l'heure de perdre la graisse. C'est bon, ça sent bon, t'as. Mon cuir rose. Tant mieux. Le mien, il est trop loin pour que je le voie. Ah oui, Marie, ton cuir rose! Ouah, quelle belle fesse toute rose, ma belle, avec ton aubergine bleue. Et ton épée verte. Peut-être tu fais presque un autre Sauberie encore, regarde. C'est juste pas dans le bon sens, mais. On n'est pas loin. Et c'est l'heure de la pub! Lydie a acheté les pubs. Alors vous inquiétez pas, YouTube, enfin. En vrai, j'allais dire, vous allez pas avoir de pub, mais j'en sais rien. Je sais pas quand est-ce que tombent les pubs, donc j'espère que vous êtes pas trop emmerdés avec ça. En attendant, Twitch va se prendre des petites pubs. Donc bien sûr, je remercie les gens qui vont les regarder, puisqu'ils vont contribuer à mon incroyable richesse. Je vous rappelle que nous devons acheter un châtal avec Martial, qui a vu sur la mer. Donc châtal, manoir. Donc il nous faut de la thune. Donc n'hésitez pas à regarder toutes les pubs que vous pouvez, et à le partager dans le chat. À toute allure. Tu sais, ça n'a pas changé, Quentin, t'es toujours follow au 24 décembre 2019. Quel titre qui tue. Bah ouais. Attends. Comment ne pas avoir des enfants peintres dans le Lady. N'est-ce pas, Ninodienne? Une chambre d'amis pour moi, oublie pas. Ouais, on verra, on verra. Même si on n'a qu'une seule chambre pour moi et Martial, ça passe. On se prendra un lit de 3 mètres, comme ça on est sûr qu'on va bien dormir, tu vois. 3 mètres de large, évidemment. Ah bah. Et encore 3 mètres, c'est un peu petit. 4 mètres. Ça nous fait 2 mètres chacun. Ouais, 4 mètres, je pense que c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal, 4 mètres. Il m'a fait rêver. Ouais, je sais, je fais rêver beaucoup de monde. Bon. En ce temps-là, il écrit. S'il a pas fait de fête stellaire, il ira faire de la méditation. Hein. Pourquoi ton écran s'est éteint? Ah, il a terminé. Allez, je veux un best-seller. Oui! Undo stress, c'est l'heure de la perdre la graisse. Et bah, franchement, avec un titre pareil, ça pouvait être qu'un best-seller. Tu la vendrais à revue littéraire. Allez! Popopo, c'est l'heure de l'aspirateur avec la connasse du dessus. GG cham cham. Ah là là, c'est bon ça. On est à 2 sur 3. Ouais, ça y est, ça va taper dans mon plafond. Enfin, encore plus que d'habitude, j'ai envie de dire. Et il va écrire un livre de genre de motivation encore une fois, puisqu'il est parti là. N'hésitez pas à vos titres et périls. J'aime bien, c'est rigolo. Dans le chat. Alors, et une baignoire. Une cave pour les gosses. Ouais, bah c'est seulement. Ah, alors. On vote où? Moi, pas comprendre. Motivé pourquoi? Je sais pas, mais faut lire. Allez! Des titres là! Allez, balancez vos titres motivation! Un titre qui vous donne envie de. Qui vous motive à lire le livre. Sinon, ça marche pas. Eh ben, il n'y a rien à voter sinon. Sinon, je te. Enfin, où est-ce que t'as vu qu'il fallait voter?
Mais j'ai jamais parlé de voter pour l'héritier. Je voulais savoir juste la prochaine. Ah, voilà. Ok. Je sais pas, j'ai que 3 pages. Et la main dans le jeu, mais ouais, de l'argent se trouve dans ces pages. Trouvez-les. Comment écrire un best-seller en 10 étapes? Gaz d'échappement. Qu'est-ce que vous racontez? Allez, on va tenter le best-seller en 10 étapes, là. On va tenter. Peut-être que ça va marcher. Hein? Voilà. Hop, c'est parti. Ouais, je comprends pas, Ninodien, mais c'est pas grave. Ah, c'était un titre? J'ai pas tout ça. Amour à mort, bon livre. Bah c'est pas un titre de motivation, ça. Alors, faut motivé. Tu es motivé ou pas, pas moi, le titre du livre. Bah non, mais ça donne pas envie de le lire. Ma femme, motivation au quotidien. Oh, qu'est-ce qu'elle a de la chance, ta femme, Martial. Je sais pas qui c'est, mais elle a bien de la chance. Excusez-moi, je vais brancher mon téléphone. De toute façon, dans notre Sobéry, on vote pas pour l'héritier. Oh bah, alors, on m'a parlé dans les commentaires YouTube de faire des plats et des partager avec ça, mais comme j'ai dit, ça a pas de valeur, en fait. Les plats n'ont pas de valeur, enfin, ils peuvent être médiocres, normaux ou excellents, mais à part ça, il n'y a pas vraiment de valeur, donc faudrait trouver autre chose. Faudrait trouver autre chose. De toute façon, pour l'instant, ils sont encore enfants, donc on a encore un peu de temps pour voir comment on les départage. Parce qu'en général, on fait une compète hein, pour les enfants du Nosoberry. C'est pas nous qui choisissons, c'est le jeu qui choisit. Donc on les fait s'affronter les uns contre les autres sur une particularité, soit de la génération qui les concerne ou autre. Et puis après, ben, soit c'est avec celui qui fait le plus d'eux, qui reste plus longtemps à faire ça, ou qui fait quelque chose qui vaut plus d'argent. Un peu à la Hunger Games, si on veut. Donc du coup, c'est comme ça qu'on départage dans notre Sobéry. Et après, on disqualifie s'il y a vraiment un des possibles héritiers qui est juste dégueulasse, comme fut le cas de Prune, pour la génération Prune. Donc ça, c'est joué entre les jumelles. Quand même. Oui, TBPL 14, on l'a déjà fait 2 fois se battre. On l'a fait avec la génération rouge et la génération orange. Donc, à voir. On essaye de changer de temps en temps, si possible avec un rapport avec la génération, en fait. Je reviens, je vais dans mon lit. Dans mon lirt. La qualité des plats dans les Sims. Oui, dans la qualité des plats, mais je veux dire, ça, tu vois, ça n'a pas une valeur pécuniaire, en fait. En tout cas, je crois pas. Donc, du coup... Bof. Ouais, je peux même pas vendre le plat, par exemple, la glace et tout. On peut pas les vendre, en fait. Donc, si c'est pour qu'ils nous fassent tous 3 plats et que sont tous au même niveau, ça nous avance pas, en fait. Mais on a encore un peu de temps pour voir. Mais là, j'ai pas d'arbre généalogique pour le Nosoberry. Je l'ai fait que pour le Legacy. De toute façon, même pour Legacy, on n'est pas encore en train de... Ah, c'était ça le bruit. Il est en train de faire une rave. Alors, best-seller ou pas best-seller? Non! Crotte de bic. Bon. Il va admirer son beau reflet. Parce qu'il est tendu, je le vois. Et après, il va aller se coucher et on recommencera. C'est pas grave, il travaille pas demain. Oh, c'est toute la poussière. Et on recommencera. On est quand même... On a quand même avancé de 1 livre. Donc c'est déjà bien. Au pire, demain, là, il va faire de la méditation toute la journée. Comme ça, on avancera aussi à ce niveau-là. Le mur d'escalade, celui qui tombe au dernier, l'héritier. Mais en fait, c'est que être compète de sport, c'est ce qu'on avait fait pour la génération grise. Entre guillemets, hein. C'était ouais, compète de sport. Donc à voir. Écrire un sketch, mais organe, vu qu'ils doivent être as des blagues. Mais oui, mais... En fait, les sketchs, ils ont pas de valeur, je crois. Tu vois ce que je veux dire? On les a pas dans l'inventaire ou quoi. Fais l'enjôleur pour qu'il puisse faire un livre spécifique à cette émotion. Oui, je sais, je connais. Voilà la dalle, Jacqueline. Écoute, fais ta vie.
on est samedi. Il se lève à 6h du matin. Mais c'est des dingos. C'est des dingues. Alors ce matin, moi, je me suis réveillée à 6h pile. J'ai vu mon réveil et j'ai fait... ça va bien, ouais. 6h pile, ça va, ouais. Je sais pas pourquoi. J'ai ouvert les yeux, j'ai regardé. 6h. Non. Non. Juste non. Voilà. Un concours de natation. Parce que je crois qu'ils doivent être... Ils doivent pas faire deux carrières aussi ? Non, c'est des carrières détectives. Vas-y, ça tape dans mon plafond. Quel plaisir. Je sais plus. Attendez, je vais aller voir ça. Je ne sais plus. Putain, ça m'arrache la gueule, là. Leur fond blanc, là. Quand est-ce qu'ils le changent, sérieux ? C'est ignoble. Alors, pêche. Se marier avec un collègue. Alors, du coup... Sauf si... Alors, n'hésitez pas à envoyer vos ados. Vous êtes sur la galerie des adolescents, plutôt beaux gosses et tout. En espérant qu'ils deviennent collègues. Sinon, vous préparez des adultes qui sont déjà dans la police. Comme ça, quand ils vont se rendre... Moi, je les mettrai dans le jeu. Et logiquement, c'est comme Daichi, qui est déjà majordome et qui garde le métier de majordome, ou Ayoa, qui reçoit des trucs archéologiques. Vous les engagez dans la police et vous me les mettez... Fantomatique. Ouais, je sais. Vous me les mettez dans la galerie avec déjà un travail, comme si vous aviez joué avec. Et logiquement, ça devrait faire quand même pour les collègues, j'espère. Tu dois jouer d'un instrument. L'instrument, c'est pareil. Il n'y a pas de valeur derrière, quoi. Maximum de la cuisine gastronomique et comédie. Maximum carrière détective. De... Avec un autre monde. Ok. Quoique, si on fait doit jouer d'un instrument, on pourrait essayer de faire en sorte qu'ils aillent dans la rue jouer pour des pourboires et voir combien chacun récolte. Il faudrait déterminer, genre, une journée entière, machin, récolte... Enfin, ils font ça, ils récoltent autant d'argent. Le lendemain, c'en est un autre. Et encore l'autre. Un cours de pêche. Tu fais faire une peinture chacun. Mais c'est ce qu'on a fait pour la génération rose. C'est comme ça qu'on a départagé, c'était la peinture. Mais t'es déjà mince, qu'est-ce que tu veux ? Ah non, j'ai la toux au citron. Ils font n'importe quoi, ces Sims. Ils sont tous inspirés, hein, tout va bien, dans leur meilleur des mondes. Ils bouffent que de la merde alors qu'il y a des plats préparés dedans, c'est super. Bravo les gosses. Pff, arrête, j'allais dire Daichi, va bouffer. Oui, il a terminé, bah, c'est bien. Mais moi je veux pas que tu bouffes ça. Tu manges, tu pisses, tu vas te laver, méditative, allez. Non ! Bon, elle y va. On verra, parce qu'il faut... Ah non, j'avais dit qu'il ferait de la méditation aujourd'hui. Il va méditationner. Moi, j'avais des moches pour la génération pêche, pour les collègues, je veux dire. Ah bah oui, c'est ça, c'est pour ça, en fait, qu'il faudrait que, si vous me partagez des jeunes adultes, qui soit déjà engagé dans la carrière. J'étais grave fière de ma blague jeu de mots avec la pêche. Je vois ça. Tu m'arrives pas avec le chef détective, déjà on est sûr parce que c'est toujours un connard qui dit qu'on est nul. Ah bon? Sinon, pour la compétition, tu peux faire de la pâtisserie. On me dit dans l'oreillette que ça se revend. Ah bon? Maintenant, c'est un plat. Parce qu'on... Ah, on en a presque plus. On a ça. Moi, je l'ai... Je peux pas la vendre. Par contre... ça va, les plats vides, là? Oh, y a plus rien dans le frigal. Qu'est-ce que c'est que cette infamie? Et merci, hey Mae, pour ton follow. Bienvenue à toi. Coucou, ils vieillissent quand, les monstres? Bah alors, Nanny, quand même... Tu t'en fous de ma génération rose, toi, tu... Eh oh, dégage, toi! Va courir! Va te laver, tu pues! Ouais, va te laver, tu pues, sale gosse. Et toi, là, je t'avais pas demandé de prendre une douche. On va prendre une douche normale. Tu vas t'occuper du jardin.
tout vendre. Hop, et après tu vas y méditationner tout seul là, comme un grand niveau 10 hein, aujourd'hui. Un minou à toi, ya. Et ils grandissent pas maintenant. De toute façon, t'as encore le temps. Les cupcakes se revendent. On peut mettre dans la galerie des gens qui ont déjà un métier. Oui, tout à fait. Oui, tu peux vendre des pâtisseries, même les plats. Visage content. Oui, mais il faudrait un magasin. Je peux pas les vendre dans l'inventaire. À chaque fois qu'on doit parler au chef, il nous dit « Vous faites un travail médiocre, bougez-vous, vous virez. » Ah ouais? Bah, j'avais fait un petit peu il y a quelques années. Ah bah, dans mon legacy, avant de commencer ma chaîne. Attends, Biquet! Il faut que tu fasses désherber. Et j'avais pas été au bout, parce qu'en fait, ça collait pas au caractère du personnage, parce qu'il était méchant et malveillant, je crois, un truc dans le genre. Du coup, il était plutôt bon flic, et finalement, je fais changer, et il est parti dans la pègre. Puis bon, ça faisait une histoire, genre le mec, voilà, il a, à force de vouloir être corrompu, ben, il a fini par aller directement dans la pègre. Du coup, j'ai pas été super loin dans la carrière. Donc ce sera cool que je le fasse, parce que j'ai jamais fait. En vrai, en entier, quoi. Avec la génération Orange, je vendais les croissants, c'est un magasin, mais c'est de la pâtisserie. Mais j'ai même pas essayé, on était envahi de pâtisserie avec Copper, là, qui en faisait 15 000. Je suis dégoûtée. Ouais, 3900 les droits d'auteur quand même. Hein. 531! Undo Stress, c'est l'heure de perdre la graisse. C'est celui qui nous rapporte le plus de thunes. Ah, en même temps, c'est normal, hein. Et... Oh, il est pas à moitié nu. Quelle tristesse. Avec un titre pareil, c'est normal qu'on veuille l'acheter, hein, moi j'ai envie de dire. Ça se vend bien, bah, c'est un best-seller, hein. Qui c'est qui fait le gogol dans le... Mais il était fini à la pisse ou quoi, lui? Mais quoi? Je vais... Il s'éclate, hein? Salut, Maïli, comment vas-tu? Il a fond dans ce placard, lui. Hein. Bon, après, il fait toujours un peu les mêmes trucs, mais c'est rigolo. Bon, bien sûr, il est comme ça, il vole pas, hein, mais ça donne vraiment la... Allez, vas-y, je le prends en photo, ça me fait marrer. Il jouera autrement dans le placard quand il sera plus grand visage qu'aucun. Ça, c'est sûr, hein. Oh, la tête. Oh non, il m'éclate. Hey. N'importe quoi, mais Toya, ça va pas du tout. Oh là 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 là. Bon, aujourd'hui, on n'ira pas à la plage. Oh, oh, ça me hurle dans les oreilles. Merci beaucoup, Steph, pour l'abonnement offert. Merci énormément. Gros bisous à toi. Et smiley boule, et merci beaucoup pour le soutien. Coucou du Québec, comment vas-tu? Tabarnak de Coris. Pas toi, hein, mais parce que c'est du sacre, hein. Voilà. Et des fois, je sacre. C'est Guillaume. De quoi, c'est Guillaume? Ouais, mon biquet. Bon, on est à 9, même pas 30, hein. Tandis qu'il méditait, Chamallow s'est souvenu avec tendresse des bons moments qu'il avait partagés avec Arthur Fujita. Qu'on sait pas qui c'est, mais c'est cool. Qui est donc Arthur Fujita?
Je ne sais pas. Oh putain. Le pire moment de ma vie, parler en anglais. Alors, on va mettre un minuteur. Parce que je ferai pas une seconde de plus. Ça, je vous le dis direct. Alors, on va parler anglais. Je vous dis direct, je suis désolée YouTube si vous parlez pas anglais. Mais c'est un petit défi sur Twitch. Donc je vais parler anglais pendant 2 minutes, chrono. Donc je m'excuse d'avance, hein. Tabarnak de Gorlis de Sibir. And it's on! From now I will speak only in English, so I do the best that I can. I am very sorry if you don't understand, okay? No, it's okay, Nanny, it's okay because it's a game and I like put it, but it's been since a few days that no one bought it, so... But it's okay, it's not in the same time than I do something else, so it's okay. Just because I am a little tired, so maybe it's more difficult to me to speak and to think about how to tell some the things that I want to tell. So it's okay. Can you present yourself? Yes. Hello, it's me. That's it. Yes. Okay. So she did again an ice cream. Fuck off. I hate you. Stop doing ice cream, please. Because I want to put you in the trash can. Yes, I can. Yes, I can do the trash can. So, there's no bunnies? There's bunnies here. There's some bunnies here. So, you will go here and you will... I don't know the word for this one, so I'm sorry. No, I'm not a bilingual, finally. Finally, I'm not bilingual, and it's okay. Oh, fuck off, I don't care about it. All I wanna say is that they don't really care about us. If you don't like that, what did you put in? No, it's okay, it's because I'm a little tired, but it's okay. It's been a long time since I didn't do this, so it's okay, okay? It's okay, okay? Oh yeah, I'm tired. So, yes, it's me. Yes, hello, it's me. Don't you know? C'est bon. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cet anglais incroyable. Je connais pas le mot pour aspirateur. En tout cas, ça m'est parvenu là, comme ça. Donc je sais pas. Aspirateur. Je sais dire un fer à repasser. Un aspirateur. Dust. Bust. Vacuum. Ah mais oui, c'est ça, vacuum. Mais oui, tout à fait. C'est ça, c'était vacuum. Tout à fait. Merci. Sur le coup, ouais, je l'utilise pas souvent. Hein. Pourquoi il regarde sa mère comme ça, là? T'es un peu flippant, mecton. Par contre, il a perdu de son bide. Oh, maman. Oh, tu es belle. Oh. Tu vas voir, quand je serai plus grand, je vais te reprendre et je vais te retourner. Tu vas plus savoir. C'est horrible. Mais quoi? Non, on fait pas d'inceste, nous. Chez nous, c'est... dans le sim, c'est pas possible, de toute façon. C'est-à-dire que même sans se connaître, ben, ils savent quand même. Ils ont le lien quand même du sang et tout. C'est fou, hein? Allez, on est à 9,5. Et dish sachet. Non, dishwasher, c'est un lave-vaisselle, ça. Coucou, la voici, comment vas-tu? Et dish sachet, je ne sais pas. Dish sachet, je ne sais pas. C'est un peu compliqué à dire, dish sachet. C'est un peu comme... je suis venu chez Soche, je sais pas quoi, là. Les chaussettes de la chez Duchesse. Bah, la Duchesse, elle est là, hein, la Duchesse. Elle passe l'aspirateur, la Duchesse. Et elle vide les poubelles. Ouah, c'est un petit peu un level down, hein. Dans Lord and Lady, elle serait passée de noble à fermière, hein. Mais bon. Elle est là pour pondre des gosses et puis faire le ménage, quoi. Tu sais pas quoi faire de ta vie, toi? Putain, il s'arrête pas de taper dans mon plafond.
quel bonheur. Il n'y avait pas un truc pour les gosses? Ah non, il n'y a rien ici. D'habitude, c'est là, mais là, il n'y a pas. Hé, mais les gamins! Il fait beau, là. Allez vous baigner, en fait. Voilà. Allez nager et tout, là. On s'en fout de votre vie, là. Allez vous noyer. Ça vous fera les pieds. Allez vous noyer. On est dans quel monde? On est à Montcomorébi. Quartier de Waka, je crois. Je sais plus. Voilà, c'est à Montcomorébi, c'est avec escapade enneigée, si vous... Voilà. Voilà. C'est celui qui est ici, en bas à droite. Voili, voilou. Ah oui, c'est joli, ouais, carrément. C'est ton correcteur. Ah, d'accord. La magie des Sims. Matrosien, je me suis fait une contracture musculaire de la muscuisse gauche. Ah bah il faut amputer hein, l'ovo Sims, hein. Faut amputer. Là il y a pas de choix. Hein. Hey, tu j'ai une hache si tu veux, tu viens. Puis moi je coupe, pas de souci. Ça fera de la viande pour cet hiver. De la bonne cuisse là, de la bonne cuisse toute jeune là, toute ferme, toute. Pardon. Je crois que j'ai faim. On arrive, hein, on est à 62-63%. Je me risquerai pas à répondre. De quoi? Charlie, pour le plafond, je te rejoins. J'ai une maison où en bas, c'est chez moi, et en haut, dessus, c'est un F3, ils sont en train de bouger les meubles, je pense. Ah bah, ça commence pas bien, Nani, en plus, tu viens d'emménager, donc... Faut aiguiser la hache avant. Tu crois? Bon, elle a pas tant servi que ça, hein. Mais il faut que je l'aiguise, c'est aussi, il faut que j'attaque au-dessus... Depuis quand il y a des bestioles? Tabarnak de colis de Sibouir. Pauvre gosse. En plus, il est tout sclérosé, là. Tu vas mourir, Toya? Oh, quel dommage. Ce pauvre gamin va mourir. Qu'est-ce qu'elles ont, elles? Bah, pisse dans l'eau, vas-y, eh. Vas-y, tu peux pisser dans l'eau, wesh. On peut pisser dans l'eau, maintenant. Comment on fait? Pour pisser dans l'eau. Enfin, moi je sais personnellement, hein, pisser dans l'eau, j'ai quelques expériences là-dedans, mais... Je sais pas moi... Nager. Mais ça, ils font quoi au-dessus, putain, casser couilles. J'en ai marre de les entendre. $9.76. Utilise l'âge pour tes voisins dessus, si seulement j'aimerais bien. Ou je créerais un trou, comme ça ils passeront à travers. Je leur dis, bah c'est pas ce que vous vouliez faire, moi je vous ai arrangé le truc, hein. Vous vouliez tellement taper, je pensais que vous faisiez... Coucou, tu nous ouvres le plafond? Là, eux c'est un sol, mais moi c'est un plafond. Oh, plus jamais, hein. Plus jamais, s'il faut que je déménage un jour, plus jamais de ma vie, je veux quelqu'un au-dessus de ma tête. Plus jamais. Ah, plus jamais. Ou alors, je les tue et je bétonne le truc. Eh, ça va. Insupportable. Titi va être heureux. Pourquoi faire? Et hop, la poussière est revenue. Bon, Jacqueline, passe la spiro. Rien à foutre. Bon allez les gosses, revenez là. Il est 22h, ils sont encore dans l'eau. Encore? Mais qu'est-ce? Oh, il a été blessé. Oh, quel dommage. Pourquoi tu veux discuter avec le vieux, là? C'est peut-être un pédophile. Ouais, pourquoi tu pensais une couche? T'es chelou aussi. Bah, rentre à la baraque, bon sang. Il est chelou, ce gamin. Ah! Sakuku, Sakura. Là, Sakura. Tu vas pas nous pondre un deuxième? Elle est en train de passer l'aspi.
Quelle magnifique scène du quotidien. Alors que notre belle... Comment il s'appelle déjà? Ah, ça y est, ils vont enfin se barrer, c'est con. Ça va hurler dans les escaliers, mais bon, c'est des chauves-souris. Oui, c'est des chauves-souris. Magnifique scène du quotidien pendant qu'elle passe l'aspirateur, lui. Il reste zen. C'est drôle ce que je devrais faire, d'ailleurs. C'est plus les vacances. Je devrais être tranquille. Mais bon. Voilà, il se casse. Elle a un de ses postérieurs dans ce pantalon. Ah, mais Sakura, elle est méga gaulée, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu renifles, tu fais ça sent bon. Vas-y. Hein, regardez-moi ça. C'est un. Ah, c'est le pantalon de monde magique, ça. Ouais, elle a du level au niveau de la plastique, hein, ça c'est sûr. Toi, tu vas faire à bouffer, tu vas servir le dîner. Du bar grillé, allez, vas-y. Les gosses, ils sont en train de rentrer. Ouais. Et les gamines, elles se baladent en maillot de bain. Alors qu'il y a un pédophile qui était pas loin. Ils étaient tous en train de faire. Oh, ça ne sent pas la poussière. Bon, on est bien là. Allez, il reste 11%. On va pouvoir le faire là. Oh merde. Il faut qu'il aille travailler. Et en plus, il aura une promo. Allez, j'allais dire Ayo. Non, c'est Shamado. Cham, 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 chamallo, tu vas le faire, tu es beau. Après, il restera un best-seller à faire. Oh, chamallo, j'allais dire Iowa encore. Ah non, Iowa. J'ai toujours pas fait le montage d'Iowa, putain. Je sais pas comment je vais faire. I don't know. Je sais pas si j'aurai le temps. Pour vous le mettre à dispo, je pense que je le ferai après le live, là, rapidement. Comme ça, je pourrais le mettre à dispo pour les sponsors. D'ailleurs, pour Iowa, tu vas faire quoi pour la fin? Bah, un épisode normal. En vrai, j'ai pas eu le temps. En fait, c'est pas à la fin vraiment, parce que... on va le retrouver, je pense, à essayer de voir si ça vous intéresse de suivre. Qu'on essaye de même terminer le challenge en live. Ça peut prendre longtemps. Ça peut prendre très longtemps. C'est ça le problème. Histoire que vraiment, après, on passe après sur le bachelor. Et du coup, moi, quand je terminerai le challenge, je mettrai quand même des épisodes en condensé ou en un espèce de best-of et tout pour YouTube. Et après, le bachelor, ce sera à part encore, hein, ce sera autre chose. Et évidemment, il y aura pour YouTube, je sais pas encore si je pourrai, j'aurai le temps de faire en best-of ou si je mettrai brut, je sais pas. Tu l'es fini en live? Oui, bah, je vais voir avec vous, si ça vous intéresse. Parce que ça peut durer encore 10 ans, Iowa, je crois. Bon, on y est, là. 98%. Allez, cham, 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 allo. Tu es beau, tu es fort, et tu vas nous faire un niveau 10 en méditation. En bien-être, quoi. 99. 100. Bah après, il faudrait que je regarde les règles du challenge, je pense. Sinon, c'est un peu triche, quoi. Ta 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 ta. C'est un niveau 10 en bien-être. Et j'ai même pas la petite musique. Bah, c'est dégueulasse. Allez, va admirer ton beau reflet, là. Et il nous reste qu'un best-seller à faire. On a fini la génération rose. Il est 3h du matin. Bon. J'ai pas vu le temps passer, tabarnak.
Et elle, elle est en... Ça va, Germaine? Tout va bien? Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais regarder. Toujours qu'un seul enfant. Écoute. Et oui. Ah, Soso, mais oui, t'es beau gosse, coquinou. C'est marrant, hein? Avec les cheveux de l'autre côté, de, en voyant le miroir, on le reconnaît pas. C'est rigolo. C'est plus facile maintenant avec la poussière qui trouve toutes les collections. Ah bon? Les poussières, elles trouvent les collections? J'ai pas suivi. À part donner de la thune gratos comme ça. Même si on n'a pas d'interaction avec, elle donne de la thune. C'est pas logique en fait. Et bon. Expliquez-moi de la logique dans les Sims en fait. Hein. Ouais, salut, c'était sympa, hein. T'as servi à rien en fait, mais c'est pas grave. Alors, est-ce qu'il bosse? Ah, il bosse. Oh, il bosse dans 5 heures. Ah, oh, tu vas avoir la gueule dans le cul, mon coco, quand tu vas aller bosser. Tu commences à 9h. 9h17. Les lapins apportent des trésors de ça. Ah bon? Bah on essaiera en live. Faudra que... Alors pas tout de suite, parce que comme il m'avait un peu saoulé le challenge, voilà, que c'était long et que je prenais plus de plaisir. Donc ce sera pas tout de suite qu'on va essayer en live, mais on le fera. Il y a vraiment. Ils mettent le feu quand ils se prennent. Ouais, ça je savais, je l'ai pas encore testé, mais parce que franchement quand j'ai enregistré la vidéo de test, j'étais fracassée, j'étais exténuée, et j'avais pas le courage d'attendre en fait. J'ai attendu, ils se sont pas énervés. J'ai dit, ouais, non, mais là, c'est bon. Je tiens plus debout. Et du coup... j'ai pas le temps d'attendre. Et comme je trouve que ça fait vite crade, bah, je nettoie tout de suite, maintenant. Ouais, je suis pas patiente. Alors, je vais enregistrer, parce que là, on a bien avancé, quand même. Elle est où, ma gamine? Mais va te coucher. Putain, c'est quoi ça? Ouais, certes elle pue, mais c'est pas grave. Voilà, laver après. Bon, est-ce que Merguez et Roger vont bien? Est-ce qu'ils travaillent de chameau commence dans une heure? Ouais, bah ça va, putain, ça va, il aura... Ça va, tranquille Emile, hein. Allez, je vais le lever, là, à 1h30, pour qu'il aille pisser. Bah voilà, il s'est levé tout seul. Eh hey, magique. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Hein? Beau gosse. Je vous rappelle que sur la galerie, normalement, j'ai partagé... Oui, normalement, j'ai partagé les deux foyers, hein, Legacy et Notsoberry. Vous pouvez aller les chercher, si vous intéresse, si... La bête de Cham Cham, si vous voulez qu'il se reproduise avec vous. Ou autre. Ah non, Titi. Il est dispo. Moi, qu'elle est beau. C'est bien, il va travailler. Il va travailler dur. Et puis, il va revenir avec une promotion. En tout cas, je l'espère. Puis, de toute façon... Non, j'en ai marre que vous... Je vous jure que j'en ai marre de ces gosses. Oui, mange du poisson. Au petit déj, c'est du poisson. Pff, qui c'est qui mange de la compote de pommes le matin, wesh? Eh oh. Oh, qu'est-ce qu'ils ont les petits hamsters? Je les entends queen. Parce que j'allais réveiller, mais c'est vrai qu'ils dorment en bol. Qu'est-ce qu'il y a? Niveau faible. Attira à jouer avec et parler, se renseigner sur les rongeurs. Jouer avec, parler, dire un secret. Voilà. Ça va, Roger? Et vas-y, 3007. Bon, on a gagné un peu moins, on a gagné 400 avec Undo Stress. Hein. C'est pas mal, c'est quand même pas dégueulasse. Hein. C'est quand même pas dégueulasse.
Est-ce que c'est chiant ces milliers de trucs qui se déroulent à chaque fois en même temps là? Bah. C'est bon. Ouais, bah fallait bouger les fions avant. Mais quel con! Alors, pause déjeuner, on va à la salle de sport où on lit les blocs de conseils. Ah moi, Titoune, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu t'étires le cul, là. Oh non, tu commences pas, Tyrion, à vouloir jouer, parce que ça va m'énerver. Enfin, je veux bien qu'il veuille jouer, mais c'est la façon qu'il a de faire, de réclamer qui est chiante. Ça vous tente une prédit sur sa promo? Oh. Salut, Meili, Game, comment vas-tu? Tu savais qu'il y a une suite au Notre-Dame? Oui, tout à fait. En ce moment, je suis à fond dans les... l'esprit des quêtes d'Innosoberry, des barres de rire assurées. Ah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, c'est gentil. Voilà, le Decade, c'est peut-être le challenge qui m'a décoincé, on va dire, sur YouTube, parce que avant, ben, j'osais pas trop. Voilà. C'est pas que c'était, j'étais pas moi, dans un certain sens, j'étais pas moi-même, parce que je faisais attention à pas parler trop fort, parce qu'il y avait des voisins et tout. Puis je voulais pas, voilà, dire trop de grossièreté, machin. Et puis le décès est apparu avec les monstres. Et ça a été un tournant dans ma vie, hein, vraiment. Entre les monstres et la lessive, il y a certains épisodes qui ont été un tournant dans ma vie de jeune youtubeuse de l'époque. Et ça m'a tellement fait rire, et fait rire les autres, que j'ai dit, bon bah écoutez, je vais peut-être rester sur ce mode-là, sur ce mode ben, où je m'énerve de toute façon. Donc, je pourrais pas faire autrement, s'il m'énerve, il m'énerve. Donc, puis voilà. C'est... Alors, il y en a qui n'aiment pas, hein, vulgaire, tout ça, mais enfin bon, qui n'a jamais dit purée, chier, merde, connard. Voilà. On tente les. On lit les blagues de caramel. Merci, Martial. Je suppose que c'est toi. Oui. Et donc, Martial. Merci, Martial. Pff. Mais l'autre, il... Oh là 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 là, tu pues. Va prendre une douche, cradingue. Regardez-moi ça, la cracra, elle est contente. Tu t'appellerais pas une Flaubert, toi, par hasard? Non. On va remplacer les toilettes, parce que... Bon, de toute façon, il n'y a rien à faire, hein. On a les gosses à la maison. On attend que Cham Cham y revient. Il revient à 17h. Quelle idée de travailler un dimanche quand même. C'est une perle, ce décade, ça m'a donné envie de le faire, bah, comme tous ceux qui ont fait le décade sur YouTube, en fait. Tout simplement. Merci, monsieur. Mais si, monsieur, je tiens à vous remercier, monsieur. Merci, le merci, monsieur, le modo. Purée! Ah non, c'est le... Ah non, mais les Sims, rien que par la pensée, ils arrivent à casser les trucs. Ouais. Mais pourtant, on l'a installé la semaine dernière. Oh, c'est du toc. C'est du tic et du toc. Non, non, tu touches pas. C'est à ton mari, avec qui t'es pas marié, de le faire. Qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas faire un truc utile? Tu vides ça et tu vas éduquer tes gosses, tiens. Elle a son air de simplette, là. Ah, là, là, je joue avec ma petite madame. Ah. Mais tu vas l'éduquer. Tu vas apprendre à dire pardon. Parce que ça se voit que c'est pas une fille qui dit pardon. Déjà, il faut pas dire pardon, c'est demander pardon. C'est à l'autre personne de te pardonner. C'est vrai, hein. Quand on dit excuse-moi ou... je m'excuse, ben en vrai, normalement, c'est à l'autre personne d'accepter. C'est je vous présente mes excuses. Et voilà. Parce que dans ce cas-là, tu t'auto-excuses toi-même, c'est-à-dire que tu dis, bah, alors je t'ai fait du mal, mais comme je m'excuse, c'est bon, t'as plus mal. Ben. Non, c'est pas assez pro, c'est pro. Dis, hein, en face, hein. Bon, voilà. Mais bon. Je suis pas là pour faire les cours de français. Je suis pas prof de français, tabarnacle. Je suis jamais stressée de pas travailler alors qu'il est au travail, il est bizarre ce style de vie. Putain, mais oui. Putain. J'avais même pas fait gaffe. Cassé couille. Hein. Ouais, il est censé avoir sa promo. Hein.
Oups, il l'a plus. Merde. J'espère que t'as pas fait de prédiction. Oups. Oupsie. T'as déjà fait l'éducation? Arrête avec... Oh là là, m'énerve. M'énerve avec vos glaces. Hein. Ça va être comme la... Hop, allez. Ni plus ni moins. Hop. Comme avec le dans le Legacy, avec leur jeu là. Pouf. Des courageux Cham Cham. Tu peux toujours lui parler, il répondra pas. Comment? Je suis en train de faire des jeunes adultes, mais c'est tellement chiant. Les fringues pour mec. Ah. Alors pas de yeux marrons, hein, surtout. Hein. Ils seront pas sélectionnés. Hein, je vous le dis direct. Hein. Ça, sachez-le. Hein, mais mettez pas des yeux marrons, hein, c'est mort. Je fais une présélection, moi. Hein. Je vois des yeux marrons, je les vois le loin. Hein, et je fais na. Bah, maintenant que on voit mieux sa bouille, il est chouchou quand même, hein. J'ai l'impression qu'il a le nez de sa mère. Il est mignon. J'ai oublié les yeux. C'est quoi les yeux dans cette famille, là? Elle a les yeux verts. Elle a les yeux verts et elle... bleu-gris. Ah, mais c'est bien, ils ont tous une couleur d'yeux différent. C'est cool. Vas-y, marche-moi sur le lapin, là. Casse les couilles, ces lapins. Je préfère encore leur marcher dessus que les aspirer. Là, c'est vraiment cruel quand on les aspire. Vraiment, j'aime pas. Tu peux servir le déjeuner. Des faux sandwichs BLT. Et toi, si tu t'ennuies, tu peux faire ça. Bon, chamallow. Tu dois encore écrire un best-seller, donc tu te ramènes le fion. Des yeux verts pour la génération verte. Ah, ben peut-être. Cuisine. Elle a la cuisine. Sinon, c'est pas nous qui allons décider. Hein. Je faisais un rouquin aux yeux verts. Ah, miam miam. Notre socialité pour la galerie. Exactement. Les yeux toutes les couleurs sauf marron ou noir. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Après, les yeux rouges, j'avais les yeux du démon, je suis pas très pour, mais bon. Voilà. Allez, Cham Cham. Cham Cham. Cham Cham. Oui. Et il a été promu au poste de responsable du courrier des lecteurs. Il gagnera désormais 8 simflous de plus par heure, soit 57 simflous de l'heure au total. Et il a également reçu en bonus 600 simflous et fauteuil le penseur. Parce que le penseur pense. Et il pense penser quand il pense, et quand il ne pense pas penser. Regardez-nous cette prochaine génération. C'est elle qui payera la retraite de leurs parents. J'ai l'impression que les filles, elles auront en plus une tête différente. Donc ça, c'est cool. Enfin, c'est cool parce que j'espère qu'elles seront jolies quand même. Hein. Que l'héritage sera beau. Héritage physique, évidemment. Mais qu'ils sont mignons, mes enfants. Non, c'est toi. Oh, c'est toi. Oh, toi, tu m'as touché. Ouais, vas-y, me touche pas. Vas-y, c'est toi. Enfin, c'est toi. Non, c'est toi qui PU. Non, c'est toi qui PU. Non, en fait, c'est notre frère. C'est normal, c'est un garçon et ce garçon, il sent mauvais. Salut Chancia, comment vas-tu? Alors, il se remet, il se fait chier sa race. Hein. Putain, vas-y, il casse tout, ces Sims là. Bon, tu te remets bien, tu me fais un best-seller après mon biquet. Hein. D'accord? Il y a plein de trucs à faire. Il va pas être couché. Hein. À partir de maintenant, on s'en fout du boulot. C'est best-seller.
best-seller. Le festival se termine dans une heure. C'est pas le truc des gamins? Ah oui. Oh, attendez, on va les envoyer. Dessiner forme, ouais. Toi, faire une expérience. Et toi, dessiner véhicule. Parce que t'es un garçon! Ah, il y a un garçon, là, aussi! Samuel Petit. Il fait la gueule. Tous les gamins. Les yeux verts. Et les taches de rousseur. Sait-on jamais? Luna Fougère. Ah, c'est la nouvelle femme de Jean-Eudes. Oh, ça va, monsieur, monsieur a bon goût, hein, tranquille, Emile. Katrina Diva. Mais c'est pas une autre que tu m'as fait? Pourquoi je suis envahie par tes Sims, Martial. Faut que t'arrêtes ça tout de suite, hein. Dahlia, elle a l'air trop mimi, je me trompe de nom. Dahlia, c'est celle avec la frange. Et les tresses. C'est celle-ci. Mais en vrai, elles ont l'air chouchou les deux, hein. Même le petit, hein. Même Toya, hein. Elle, c'est Melba. Ah ouais, il y a du garçon, là. Raphaël Petit. Mathieu Cheverny. Mais lui, j'arrive pas à voir sa couleur de neuil, mais je crois que c'est pas que ce soit ça, c'est marron. Donc ça, c'est du caca. Nous, on prend pas les marrons. Ça sent mauvais. Bon, tu te mailles le fion? Qu'est-ce que tu regardes? Tu veux pas regarder les aventures de Jacqueline en Égypte? Eh, c'est bon, va pisser, va te laver, là. En plus, moi aussi, je veux pisser. Fais-toi... Quoi? Bah, utilise tes chiottes, wesh! Ça va être l'anniversaire de Dahlia! Oh! Allez, Toya passe par une phase. Allez, casse les couilles aussi, ces gosses. Voilà! Alors, on est parti. On va écrire un livre de genre... Enfant! Peut-être que ça aidera mieux. N'hésitez pas à vos titres et périls dans le chat. Un livre pour enfants. Ne jamais manger son hamster et autres conseils pour la maternelle. Amarde ? Ah oui, remarque, c'est un bon titre pour les enfants. Je suis enceinte. Ah merde ! Je sais. Faut faire de la motivation. J'avais un titre, mais enfant, ça fait limite. Vas-y, balance. Pff, Martial, tu me connais. Est-ce que je vais être choquée ? Le penseur pense, l'écrivain est critique. Ouais, c'est pas très enfant. C'est pas très enfant. Les saletés de lapin. Les saletés de gosse aussi, on peut dire. Ouais. Le retour de la prison du zèbre. Ah, c'est le zèbre qui est en prison, tu veux dire? Moi, j'ai l'impression que c'est la prison du zèbre qui est de retour. Aventures de lapine. Non, c'est trop gentil, ça. C'est beaucoup trop gentil. Je déteste mes parents. C'est sympa, je leur enverrai le message. TBPL14. Les garçons puent. Ah bah oui, bien sûr qu'ils puent, les garçons. C'est connu, non? Allez, je vais prendre celui de Martial. Pas parce que c'est Martial, mais parce que c'est un peu... Écrasons les lapins. Ah, tant pis. Allez, Cham Cham, un petit best-seller. Vas-y. En plus, il va être fatigué. Oh là là. Arrête de penser à ta sœur, là. Qu'est-ce qu'elle veut? Vas-y, range la bouffe. Où sont les gosses? Ah oui, c'est vrai. Ils sont encore avec le pédo? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas pas parler aux pédophiles? Rentre à la maison. Tant qu'on sait pas qui est l'héritier, je veux pas que vous soyez violenté par des pédophiles. Ah ouais, tu fais peur, toi. En plus, t'es drogué. Ah non, il voulait aller bouffer.
Run for Bajinka! M'en fous. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Non! Oh, il est mignon! Il prend les poubelles. Qui c'est qui a renversé ma... Infernal, ces gosses. Vous avez rien à faire dans votre vie, les gamins, hein? Sérieusement? Vous avez rien à faire. Mais viens donner une friandise et joue avec. Ça, vous aurez un truc à... Hop, tu peux faire ça. Vas-y. Amusez-vous. T'es motivé, Cham Cham? Alors, t'y arrives? Fais-nous un best-seller, là. Qu'on finisse là, l'épisode. Arrête! Le temps que je percute, qu'il perd du temps à parler. Oui! Putain, c'est un excellent. Ah non! Allez, va admirer ton beau reflet, là. Casse les couilles. Écrire, un livre... Alors, j'ai pas motivation. Non-fiction. Save. Ouais, bah, si tu veux, je save. Un zèbre emprisonné. Ta partie ne se charge pas quand tu changes d'endroit. On n'a pas bougé de la maison. Il est épuisé dans 3 minutes. Ouais, mais il pourra pas. Putain. Vas-y, tu me saoules! Pardon. Bah ouais, mais il a non, mais non, 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 les gosses là, au lit! Qu'est-ce que c'est? C'est des thugs, ces gamins. Et pas de sieste, hein. C'est bien. Ah! Il y a encore Roger ou Merguez, je peux regarder, qui sont partis. Ils nous ont fait n'importe quoi. Il est en train de se carapater là. Oh putain, ça m'a chauffé les couilles! J'ai une tiraille à me planquer, hein. Oh la vache, ils ont trop chié, ça pue. Ça se voit que c'est des garçons. Ça se voit que c'est des garçons. Je plaisante évidemment. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas rien faire du tout. Oh là 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 là. Ça ne va plus, hein, monsieur... monsieur, comment il s'appelle? Chamallow. Écrire un livre de genre. Poésie. N'hésitez pas à mettre vos titres, évidemment. Jolie explosion. Ça va, c'est pas mal. Ah, il me donne envie son sandwich. Mon sandwich ! Mon sandwich ! Mon sandwich! Sous la couette, c'est la fête. Coca. Allez, bah, vu que vous êtes pas... Ça va être ça. Voilà. Martial, je compte sur toi. Et j'avais oublié de leur faire des amis, non? Voilà, faites-vous des amis. Qu'est-ce que tu fais, toi? Travail! Cuisine! Écriture!
T'es... Non, casse-toi. Fais le ménage. Je suis tellement horrible. Je propose plus après, tant que c'est pas motif, d'accord. Ouais, mais là, il est juste inspiré, là. I am sorry, hein, but... But ok. Faut qu'il finisse son livre. Melba, on attend la récréation. C'est les gamins. Il a écrit. Oh là 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 là. Que de la thunasse. J'aimerais avoir autant d'argent. Ouais, faut que j'écrive des livres, moi. Vraiment. Je m'approche de la boîte aux lettres. Best-seller ou pas best-seller, telle est la question. Comment vas-tu? Merci pour le host. Elle passe l'aspi sur la terrasse. Espèce de gourdasse, va. Viens passer l'aspi ici! Tabarnak de Carlis! Percée dans le journalisme. En levant la tête, Chamallow voit sa rédactrice en chef appuyée sur la porte de son bureau. Un sourire espiègle sur le visage. Elle tient un papier qui lui demande. « Tu sais ce que j'ai dans les mains ?» Chamallow lui fait « Non de la tête !» Oui, je fais comme ça, moi. Curieux d'en savoir plus. « C'est un courrier du siège du Post Times. Il demande spécifiquement ton aide pour écrire une rétrospective sur la convention geek qui sera intégrée à un article diffusé à l'international. Qu'en penses-tu ? » Avoir un article publié à l'international serait bien sûr une aubaine pour Chamallow. L'opportunité de gagner de l'argent et de se faire connaître. Mais est-il vraiment prêt à gérer le niveau plus élevé d'attention que cela va impliquer? Évidemment, on va écrire l'article, de toute façon on s'en fout, mais on va le faire. Oh là là, entrer dans la cour des grains! Chamallow devenir une star! J'ai l'impression qu'être inspiré aide à écrire un best-seller. Bah, ou pas. Ou pas. C'était un motivation. On va essayer de le remotiver du coup. On va essayer de faire de la motivation. Mais vas-y meuf, tu vois pas que t'as des déchets ici? Vas-y. Eh? Tu crois quoi? Paye les factures. 2300. Théo et Justine. On va voir ce que c'est. Oh non, un projet scolaire. Bon, Théo, tu sers à rien, t'as les yeux marrons. Et toi, et Justine? Est-ce que Justine va servir à quelque chose? Une jolie petite rouquine. Oh! Qu'est-ce que c'est que ces neuils? Ouais, c'est limite, hein. C'est limite, limite, hein. Tiens. Voilà, va raconter une histoire drôle. Alors, ça va être... Voilà, tu vas commencer à coincer soigneusement. Toi aussi, de toute façon, ils vont faire ça. Ils vont tout de suite travailler. Je m'en fous, moi qui pue, qui pète et compagnie. Et tu vois, tu vas demander à Théo. Voilà, la foutre, oui, tu vas... Ah, attends, c'est toi. Toi, tu vas le faire parce qu'elle, elle n'a pas encore commencé. Demander de l'aide pour le projet. Et elle, elle demandera à sa mère. La boniche. C'est bientôt l'anniversaire de Melba. Bah ça va être l'anniversaire de... Bah c'est l'anniversaire de Dahlia, donc tu vas même pas me faire ça. On s'en branle le fion. Maman, qu'est-ce que tu fais? J'espère que tu fais un gâtal pour ta fille. En vrai, je crois qu'il y a déjà un gâtal dans le frigal. Non, il n'y a pas de gâtal dans le frigal. Tu me finis ça, hein, Germaine, et après tu me fais un gâtal. Alors, c'est un gâtal pour la génération pêche. Est-ce que nous avons un gâtal pêche? Alors, on va faire un gâtal rose parce que nous sommes dans la maison rose. Qu'est-ce que c'est que ça? Un poulet au beurre. Juste du poulet et du beurre, donc.
J'aime pas le beurre. Salut, Savour le Rouge, comment vas-tu? C'est une affaire, ça... Oui, cette violence, jamais. Cuisine! Mais putain de pute de merde de ta race! Pardon. Mais arrête avec ton aspirateur! Dégage. Tu me fais le gâtal. Vous avez déjà fait? Mais t'as pas demandé à ta copine? Ah bah non, je vais peut-être pas demander. Elle est là, c'est ta future femme. Oh, Théo. Là, ça va encore, mais je suis sûre qu'il va être moche. Hein. On va pas compter sur lui. Ah, putain. Ah là 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 là. On va discuter avec les collègues. Non. Détends-toi le fion. Voilà, t'es concentré, t'es plus con que centré. Ça me va aussi. Tu vas revenir, tu vas admirer ton beau reflet. Ton très beau reflet. Putain. Faut qu'il fasse un best-seller là. Big boss, big bisou, pardon. Super. Allez là. Gâtal, gâtal, gâtal. Gâtal, anniversaire, bougie. La 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 la. On va faire grandir la fille. Mais je voudrais finir aussi. Ah oui, ah oui, je voudrais finir. Et l'aspiration, la génération. La 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 la. Allez, va bouffer, vas-y, casse-moi pas les noix. Qui c'est qui va? Qui m'emmerde là? Pourquoi tu peux pas être dans le frigal? Tu sais que les gens ils te regardent bizarre hein. Oh tu me saoules. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y avait rien. Ouais, doup 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 aussi, ouais. T'as raison. Alors, bye. Hein, on s'en fout, on l'a fait grandir comme ça. On s'en branle le fion. Je suis désolée, hein, je suis vulgaire. Est-ce que je suis encore désolée? Moi je veux finir la génération rose. On est déjà à 1h28. Va falloir aller très très vite. Je vais prendre les règles. Alors, ils sont pitres, gourmands et paresseux. Putain. Allez. Allez Germaine, souffle tes boujax. Je me suis pas trompée, hein, c'est bien la preuve, celle que ça que j'ai pris. Promouvoir la bagarre, super. Révélation, est-ce que le mélange chamallow la duchesse aura bien fait de bons petits enfants? Happy birthday Dahlia. Ouh les cheveux. Happy birthday Dahlia. T'as un gros cul Dahlia. Ah, ah. Happy birthday à toi. Oh, ça va. Bien sûr, faudra relooker tout ça. Hein. Là, elle fait... Donc, personne n'est ça de mon avantage quand ils font... Ça va. Bon anniversaire. Merci pour l'heure. J'ai oublié de regarder l'aspiration. As des blagues. Super. Super. Et donc, gourmand ou paresseux, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on met gourmand tout de suite ou paresseux? Ouais, elle a l'air mimi, ouais. Mais de toute façon, on verra ça avec leur looking. Bah du coup, ouais, je vais la relooker aujourd'hui ou la semaine pro. Je sais pas trop. C'est bien la génération pêche qui doit déménager. Oui, tout à fait. J'ai sa vulgarité. À peine. Oh non, il y a le boost trop dessus. Oui, il y a pas le boost. Paresseux, gourmand, paresseux, paresseux, gourmand, gourmand, gourmand. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Voilà, il y a un petit sondage qui a popé. N'hésitez pas à savoir si on fait gourmand ou paresseux tout de suite. Sachant que je mettrai les trois avec le même trait. Parce que, comme ça, pour les départager.
selon ce qu'on choisira pour les départager. Trop joli cette coiffure, un mélange avec sa mère. Ouais, c'est ça. J'allais dire, elle a fait le lien avec la génération de son père, mais non, parce que c'est violet, c'est pas rose les cheveux. Ça aurait pu faire un petit lien et tout. Ça aurait été mignon. Donc n'hésitez pas à voter dans le chat sur le haut. Alors, YouTube, je vous tiens au courant, nous sommes à 14 voix pour gourmand et 4 pour paresseux. 15 pour gourmand. Donc je pense que ça va être le trait gourmand que nous allons ajouter. Je n'ai pas encore ajouté le truc de résultat. Il faudrait que j'y pense. Comme ça, vous le verrez affiché, en fait, sur le chat, sur l'écran. Les traits sont pas top. Bah ouais, qu'est-ce que je veux faire? Alors, c'est très gourmand. Je pense que la glace régime me fera bon effet, hein. Ouh, c'est une gourmande, coquine. Coquine. Ouais, bah t'es déjà bien empâtée, hein. Arrête de faire cette tronche. Alors, oh, elle a mis une nouvelle basket. Elle a mis une nouvelle braquette. Elodie. Qui c'est, Elodie? C'est la fille de Sakura. C'est une petite blonde. Elle aussi, elle fait la génération de pêche derrière. Super, on va pouvoir sauvegarder le petit Gatal. Lui, il bouffe et il mange. Il bouffe et il mange. Il faut qu'il soit motivé. Non, motivation, c'est confiant, c'est ça? Bon, il s'aime beaucoup. Alors, attendez. Se motiver. Il va faire ça. Il va faire ça, il va se motiver. Ah, zut! D'ailleurs, Jacqueline, tu vas courir. On va courir. Bon, elle sera relookée hein, pour la semaine prochaine. Oh là, oh là. Qu'est-ce que c'est? Créé par Melba. Pourquoi elle en a fait deux? Oh la vache. Il est dégueulasse ton truc, meuf. Oh là là, mais j'en peux plus de ces gamins avec leur putain de peinture de merde. Ah, il a encore fait une grande aventure. Incroyable. Ça y est, t'es confiant? Oui. C'est un livre de genre motivation. C'est parti pour vos titres. Par contre, ce look, il y a pire. Oui, bah après, voilà, ce sera relooké après. Et salut Ricardo, comment vas-tu? Tour de magie à 36. C'est ça ton livre de motivation, Martial? Ouais, non, à 38 pour moi, c'est même un 40. Je serais pas contre un petit 40. Débogage. En titre de livre? Motivation? Motivation, hein, les gens! Motivation! C'était ça ton limite, Martial? Tu m'as vendu du rêve, quand même. Comment bader sa femme? Je sais. Allez, balance-le, Martial! J'ai fait un livre de motivation exprès pour toi. Ma copine est la femme de ménage. Ça, au moins, elle sert bien. Non, et puis c'est la mère de mes enfants, c'est la mère de mes futures générations. Être motivée pour les nuls. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas un qui m'a fait tilt. Ah oui, Martial, mais oui, mais bien sûr. Oui. Bon, j'ai mis avec une faute, hein, comme ça, ça attirera encore plus l'œil. Merveilleux. Incroyable du cul. Alors, on va voir ce que Roger nous a ramené comme carte postale, évidemment. Widenburg. Ah mais on l'avait pas en plus, on l'a eu deux fois, j'ai même pas fait gaffe. Ah ouais. Les rongeurs, ils amènent les... Alors, ils amènent des trucs des Sims 3. Ouais, s'il vous plaît. Mais aussi des Sims 4.
Punaise, limite, on va bientôt la faire en entier, la collection, quoi. Je sais plus combien il nous en restait. Yeah! Oh yeah! Yeah! Qu'est-ce qu'on est motivé! Alors, on s'en fout de ça. Carte postale. Oh, il nous en reste deux. Il nous en reste deux. Oh là là. Il y a moyen. Tais-toi. Elle est où, elle? Elle court. Et je cours. Je regarde les punks en scout. Je me dis qu'ils m'out. Mais moi, je cours avec mon petit pyjama jaune. Je ressemble à un gnome. Ou un Pikachu. Il reste six Sam et une autre. Ok. Ah, t'as de la motivation, ma petite. Tu sais, moi, j'ai couru 5 mètres. Je vais avoir mal au genou pendant 3 ans, quoi. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi elle chiale? Elle regarde pas? Mais ouais, elle a l'air chouchou quand même. Elle est, a priori, bah après elle a une coupe de cheveux qui pour moi ne lui va pas. Mais elle a l'air mimi. Bon, ce look, bon, y a pire. Elle est rose en haut, rose en bas. C'est déjà ça. Tu l'as pas déjà fait, ta collection? Si, si. Si, si, en fait, on l'a officiellement, on l'a faite. Parce qu'on a la plaque, tu vois. Sauf que j'ai quand même voulu tenter les bonus, c'est-à-dire... Mais c'est complètement aléatoire, et c'est avec les rongeurs, c'est pour ça qu'on en a deux. Parce que, normalement, on l'a déjà fini, ce truc-là, mais comme c'est complètement aléatoire, et là, on peut pas le contrôler, voilà. On essaye juste de la faire. Et en vrai, il nous en reste deux, déjà, donc c'est cool. On dirait Kill Bill dans sa tenue. Ah oui, j'avoue. Bah tiens, tu vas faire tes devoirs si tu t'ennuies. Oh, on a fini. C'est-à-dire que j'ai même pas le temps d'aller voir dans son cahier, dans son truc, que je sais qu'il a fini. Aspiration terminée. Cela a commencé par une inspiration artistique et ça s'est terminé par une maîtrise totale de la langue écrite. Chamallow vient de réaliser son rêve de devenir un auteur prolifique. GG. Oh la vache, du coup ça nous a spoil. Il est où son livre? Eh oui, c'est un best-seller, tu vas tout déchirer, même ta femme. Incroyable. Incroyable du cul. On va forcément le publier. On va tous les publier parce qu'on gagnera de la thune. Et nous avons donc officiellement terminé la génération rose. Nous pouvons nous applaudir très très fort. Et j'ai fait fuir 20 personnes. Je m'applaudis. Oh putain. Ça y est. Bah non, les cartes postales, on l'a déjà, Guillaume, c'est ce que j'ai dit. Ah oui, je la connais, Two Broke Girls, je l'avais commencé, en fait, vu les tournures et que ça a mis en avant énormément un personnage que je déteste, ben j'avais arrêté de regarder. Et c'est bien dommage. Applaudissements, 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 applaudissements. Et elle va faire pipi comme un champion, et c'est ce que je veux faire une fois qu'on aura terminé. Et le nom de Sobéry. Ah, génération rose. Terminé. Oh putain. C'est bon ça. C'est très très bon ça. Me gusta. Me gustas tu? Ça c'est cool. Tu les as fait fondre, ouais, c'est ça. C'est le titre du livre de Martial, ça lui a pas plu. À la limite, s'il voulait être encore plus trash, il aurait pu dire « tu vas tout déchirer, même ta mère ». Donc il a gardé une certaine retenue. C'est déjà pas mal. Pendant que Jacqueline fait ses devoirs, elle... C'est qui celle-ci?
Mais qu'elle est moche! Anna l'écolo. Mon dieu. C'est une descendante de? Du Sims de... Conjoint Raphaël. Ah non, c'est sa femme. Non, c'est pas possible. Il est mort. Il s'appelait Raphaël Marie? Pas terrible. Hein. C'était... Ouais. Et en plus, elle est shootée. Ah, c'est du propre, tiens. C'est du propre. Eh, va te prendre une douche, tu finques, comme on dit par chez moi. Tu finques. Bah dis donc, t'as du mal à faire des mots croisés, toi. Toi, t'as rien à faire. À la limite, tu peux chasser les lapins. Lapin ? Y a pas de lapin ? Si, y a un lapin. Petit lapin, tu vas marcher dessus et tu vas te coucher. Voilà, voilà. Elle ressemble pas à mon Basile, c'est une pièce rapportée. Ah non, c'était Basile ? Alors peut-être qu'il a eu un enfant qui s'appelait Raphaël. Et qui, du coup, bah, est-ce que ça remonte, hein, je l'avais mis pour la génération prune. Donc c'est pour ça que ça me bizarre, mais ça doit être un descendant. Tu vois, oh, mais... Si, si, mais ça m'énerve, quand même. Eh, allez vous coucher. On va devoir terminer. C'est bien, Dalia. T'as pas travaillé, ta barnaque de colis. Oh, oh, les bichons. Bah tiens, viens, va t'occuper des... De Roger et Merguez, là. Pam, pam. Écoute, tu peux être couché. Ou si on vient passer l'aspirateur. Ouais. On est plus à ça près. Ça va, c'est appétissant de bouffer devant une poubelle. Première adolescente, pêche. Ouais, elle aura meilleure gueule la semaine prochaine. Ouf, oui. Ouais, tout aura meilleure gueule hein, la semaine prochaine. Tu vas te coucher, Georgette. Et c'est là-dessus qu'on va s'arrêter pour le Not So Berry. Qui c'est qui est... Pourquoi? Non, c'est bon. C'est bientôt la soeur de Marina. Tant mieux pour elle. Et nous, on va se quitter là-dessus, mes petits culs. J'espère que ce live vous aura plu, tout ça. N'hésitez pas à mettre des petits likes, des petits commentaires pour YouTube, évidemment. Parce que pour Twitch, ça va être compliqué. Au revoir, YouTube. Tout à fait. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du Not So Berry avec, pour l'instant, pas encore plus ou moins la génération pêche. Du moins, on aura la deuxième fille qui aura grandi. Donc, on pourra... dans un certain sens, commencer à travailler leurs compétences, chacune. Et il faudra vraiment réfléchir à comment on les départage, parce que je pense que c'est compliqué. Merci Alicia pour le follow, bienvenue à toi. Et moi, je vous fais des très gros bisous YouTube, et on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.